Ils font la course en tête depuis le départ des Sables d'Olonne et ont déjà creusé de gros écarts sur le reste de la flotte. Les massifs, Banque Populaire, PRB, Cheminée Poujoula, Virbac Paprec ont tous un point commun, ce sont des bateaux neufs, c'est-à-dire âgés de moins de 2 ans. Des 60 pieds Imoca taillés pour ce Vendée Globe, plus puissants, plus performants, plus sûrs aussi que les monocoques plus anciens. Globalement, ils bénéficient des études qui ont été faites récemment, ils bénéficient d'une meilleure préparation, ils bénéficient probablement d'une meilleure fabrication, ils bénéficient de l'avancée technologique qu'on a fait en 4 ans, puisque les choses progressent, elles progressent vite et bien. Donc il est probable qu'effectivement, les bateaux les plus récents bénéficient des améliorations qu'on a su apporter avec de l'expérience après chaque Vendée Globe. On a une meilleure connaissance théorique, on a une meilleure connaissance pratique dans notre façon de préparer les bateaux, ça c'est vrai. Il n'est pas étonnant dans ces conditions de les retrouver à l'avant de la course. Ces bateaux récents ont été construits pour gagner le Vendée Globe. Pour les autres bateaux forcément moins optimisés, il sera très difficile de rivaliser. L'objectif étant déjà de terminer ce tour du monde.